À la une ce soir, la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les travaux s'ouvrent demain mardi. Au nombre des participants figure le président ivoirien Alassane Ouattara. Rentrée des classes 2013-2014, quelle affluence dans les établissements scolaires une semaine après la reprise des cours? Le constat de la rédaction en début de journal. Il faut sauver les otages du centre commercial Westgate de Nairobi. Les forces de l'ordre kényanes tentent de maîtriser le commando islamiste somalien Shebab. Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier journal de RTI 2. Ouverture demain, mardi 24 septembre, de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Thème consacré, le programme de développement post-2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar de ses pairs, va participer aux travaux. La rencontre va s'achever le 1er octobre prochain. La 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Que faut-il espérer de cette rencontre, surtout pour la Côte d'Ivoire? On va justement retrouver le président de la République, Alassane Ouattara. Nous venons participer à l'Assemblée générale, la 68e Assemblée générale de l'ONU. Voilà, il y a des sujets importants dont nous devons discuter. Et surtout voir l'après 2015, quant aux objectifs du millénaire, et aussi en tant que président pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de septembre, nous aurons à débattre et à échanger sur les grands sujets d'actualité en Afrique, les sujets où il y a des conflits, où il y a des situations d'évolution, donc de la situation intérieure difficile comme en Centrafrique. Retour en Côte d'Ivoire où la rentrée scolaire s'est déroulée le lundi 16 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, on s'interroge, quelle est la situation une semaine après la reprise des cours dans les écoles, lycées et collèges d'Abidjan? Les apprenants fréquentent-ils assidûment les établissements scolaires? La réponse tout de suite avec Laetitia Manglé. Collège moderne du Plateau, ce lundi dès 8h. Sur l'emploi du temps des élèves de la 4e 2, c'est l'heure du cours d'espagnol. Dans cet établissement, comme dans bien d'autres, les vacances scolaires sont un lointain souvenir. Les salles de classe connaissent le balai incessant des profs qui n'ont pas attendu longtemps pour retrouver le familier tableau noir. Les cours ont commencé au lycée moderne des 13 suites depuis le lundi 16 septembre. Nous étions déjà à 86% d'enseignants présents dans les classes. Direction Abobo. Dans ce collège, élèves et corps enseignants cherchent encore leur marque, mais le directeur assure toutefois. Nous n'avons pas encore débuté les cours, mais nous sommes dans le temps quand même. Pour l'heure, c'est les permanents qui sont en train d'entretenir les élèves. Si progressivement les élèves retrouvent les salles de classe une semaine après la rentrée, ce n'est toujours pas le cas pour certains parents. Ils sont encore au stade de l'achat de fournitures scolaires. C'est maintenant, mon fils m'a envoyé la liste des fournitures. J'ai acheté un peu. Bon, mais selon mes moyens, quoi. En attendant que je n'ai de l'argent encore pour venir acheter le reste. Face à cette situation, certains chefs d'établissement durcissent le ton. Les choses ont changé à la formation professionnelle. Les cours ont véritablement commencé. Et tous les retardataires qui ne viendront pas s'inscrire seront considérés comme des démissionnaires. Pendant que certains élèves font encore la meilleure expérience des premiers jours de classe, d'autres, par contre, découvrent de nouvelles langues. Goodbye. Pour ces élèves, il faudra encore attendre 9 bons mois pour retrouver les vacances scolaires. Parlez-vous votre langue maternelle? Eh bien, si vous répondez par la négative, sachez que pour promouvoir nos langues natales, un concours dénommé Prix ASCA de 2013 vient d'être lancé. L'initiative est bien évidemment de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Et à la clé de la compétition, une récompense de 5 millions de francs CFA. Les explications de Michel Mambou. L'introduction des langues nationales dans le système éducatif pour en améliorer la performance. L'idée fait son chemin et l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, apporte sa contribution à la réalisation de ce challenge.
La SCAD initie un concours pour susciter et encourager les actions en faveur de la promotion des langues nationales. L'expérience a prouvé que ces enfants qui ont reçu une formation, qui ont appris un éveil d'esprit à travers leur langue nationale, sont plus éveillés et plus réceptifs à l'enseignement primaire qui se fait en français. Le service du ministère est allé plus loin et a prouvé que les résultats des enfants qui ont reçu une formation dans leur langue maternelle, les résultats au certificat d'études étaient meilleurs à ceux qui n'en ont pas reçu. À la clé du prix ASCA 2013, 5 millions de francs CFA. Les dossiers de candidature sont attendus jusqu'au 30 septembre 2013 au siège de la structure. Des dossiers devront comporter des contributions et autres ouvrages réalisés dans le domaine. Peuvent participer à ce concours toute personne et autres organisations œuvrant dans l'enseignement, l'éducation ou la recherche pour la promotion des langues maternelles. Au chapitre économie, le lancement des Journées nationales de la qualité. L'événement va se tenir du 22 au 24 octobre prochain autour du thème « La contribution du management de la qualité dans la perspective d'un pays émergent ». Rencontre très attendue par les professionnels de la qualité du secteur privé et public de Côte d'Ivoire. Les explications de Michel Digré. Les Journées nationales de la qualité 2013 devront permettre aux qualiticiens ivoiriens de s'approprier la vision gouvernementale de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il s'agira pour eux de démontrer la contribution que pourrait offrir la discipline management de la qualité dans le redécollage économique du pays. L'objectif de ces journées, c'est de faire en sorte que l'État prenne conscience du métier de la qualité, puisque nous faisons au travers de ces journées la promotion du métier de la qualité, mais aussi permettre à la population ivoirienne de venir s'enrichir des notions de la qualité. À travers ces journées-là, nous pourrons comprendre le concept de l'émergence et pourquoi pas poser toutes les questions à ces conférenciers-là. Les Journées nationales de la qualité seront une plateforme d'échange où plusieurs pays émergents partageront leurs expériences. Elles feront également la promotion des administrations publiques et entreprises privées engagées dans la démarche qualité. Les Journées nationales de la qualité sont organisées par l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire en collaboration avec la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation. Le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo célèbre Saint-Maurice, son saint patron et protecteur. Au menu des festivités du 23 au 28 septembre prochain, des activités sportives, des jeux et des épreuves d'armement. La cérémonie d'ouverture a débuté aujourd'hui par une opération de don de sang. On retrouve Michel Digré. Une opération de don de sang pour ouvrir les festivités de la fête patronale du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Un geste de partage pour sauver des vies, mais aussi célébrer les valeurs prônées par Saint-Maurice, le saint patron des fantassins. J'ai retrouvé en Saint-Maurice, par exemple, son esprit de patriotisme, de valeurs attachées, n'est-ce pas, aux choses saines. Vous voyez, il n'a pas voulu qu'on tue impunément des personnes pour une cause de religion, par exemple. On voulait avoir des soldats républicains. J'entends par soldats républicains, des soldats qui vont protéger nos populations parce que nous sommes là pour elles, des soldats qui sont, n'est-ce pas, disciplinés, parce qu'avec la discipline, on peut tout faire. Pendant 6 jours, officiers, sous-officiers et militaires de rang feront un seul corps autour des activités sportives et militaires qui meubleront cette célébration en l'honneur de Saint-Maurice. Des jeux pour renforcer la cohésion entre les militaires, mais aussi pour développer l'esprit de compétition et d'excellence chez les troupes du chef de bataillon Ouattara Zoumana, commandant du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo.
Et voilà, c'est avec Michel Digret que nous mettons fin à l'actualité nationale. Au Kenya, l'assaut final est lancé au centre commercial Westgate de Nairobi pour libérer les otages. Selon le dernier bilan disponible de la Croix-Rouge, l'attaque des islamistes somaliens Shebab a fait au moins 62 morts, autant de disparus et près de 200 blessés. Il est 10h40 ce matin à Nairobi, lorsqu'une intense fumée noire s'échappe du centre commercial de Westgate. Les Shebabs somaliens, toujours retranchés, auraient mis le feu à des matelas pour empêcher les forces de police de pénétrer dans le bâtiment par le toit. Des tirs nourris ont également été entendus. Les journalistes ont dû fuir la zone par sécurité car les affrontements se poursuivent. Les forces de l'ordre kenyanes tentent d'en finir. Elles affirment avoir secouru quelques otages et tué deux insurgés. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'assaut contre le commando Shebab touchait à sa fin. Il a fait part de sa détermination à faire la guerre aux terroristes. Notre détermination à défendre notre pays n'a jamais été aussi forte et nous voulons dire que nous allons faire la guerre aux criminels. De leur côté, les terroristes Shebab affirment encore détenir des otages. En réponse aux assauts, ils ont menacé de les abattre. Dans un message sur Internet, le porte-parole du groupe islamiste a rappelé qu'ils étaient capables d'attaquer partout et que la paix ne serait possible qu'avec un départ des troupes kenyanes de Somalie. Pour les Shebab, l'opération de Nairobi vise à punir les crimes de l'armée kenyane. Par le passé, ils avaient déjà menacé de s'en prendre au complexe commercial de Westgate. Prééminence féminine dans la nouvelle Chambre des députés du Rwanda, à l'issue donc des dernières législatives tenues du 16 au 18 septembre dernier, les femmes ont renforcé leur domination. Elles occupent maintenant 51 des 80 sièges des députés. Les députées rwandaises ont de quoi se réjouir. À l'Assemblée nationale, ce sont elles qui forment la majorité depuis 2008. Un exemple unique au monde. Et quand on a le pouvoir, on ne le lâche plus. La preuve, avec les dernières élections législatives. Les chiffres sont sans appel. Les femmes représentent désormais près des deux tiers des parlementaires. Les Rwandais ont opté pour donner priorité à la femme dans ses droits politiques, pour qu'elles puissent pleinement jouer un rôle politique visible et qu'elles servent de modèle même aux pays étrangers. Des femmes députées dans l'hémicycle, ce n'est pas une coïncidence. La constitution rwandaise prévoit l'attribution d'au moins 30% des postes aux femmes, ici et dans d'autres instances de l'État. Puisque nous sommes femmes, nous connaissons très bien, plus que les hommes, les problèmes des femmes, les besoins des femmes. Nous savons ce qu'elles vivent, nous savons ce qu'elles sentent, nous savons ce qu'elles ont besoin, que ce soit légalement, socialement, culturellement et même économiquement. Éducation, droit de succession, emploi, de nombreuses lois ont changé en faveur des femmes. Il y a eu par exemple une loi contre les violences faites aux femmes initiée par les députées femmes et une loi qui leur donne accès à la propriété foncière. Reste à ouvrir la porte du Parlement aux femmes de l'opposition. Les nouvelles élues appartiennent presque toutes aux partis au pouvoir. Les législatives en Allemagne, le parti conservateur de la chancelière Angela Merkel remporte la majorité avec 41,5% des voix et 311 sièges sur les 630 que compte la chambre basse du Parlement. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2, bien sûr.